D'accord, pas d'accord, pour, contre, on ne sait pas. D'accord, pas d'accord, la radio dans tous ses débats. Alors, sujet du jour, le MQB. MQB pour Musée du Quai Branly. Un an après son ouverture, le Quai Branly, dernier né des musées parisiens, dépassait les 1,5 million de visiteurs. Alors comment rester indifférent face à ce nouveau temple à l'architecture monumentale destiné à accueillir les arts et civilisations de peuples dont la culture n'a pas l'Occident en partage? L'un accable, l'autre défend le fruit de ce projet présidentiel. Donc avec nous aujourd'hui sur les ondes de RFC, Valérie De Salles, archéologue, bonjour, et Antoine Garcia, journaliste. Je suis allé au musée Branly très peu de temps après l'ouverture au public. Je voulais comprendre en fait pourquoi ce nouveau musée, dont le nom n'évoque d'ailleurs plus les arts dits premiers, hein, ce qui amène déjà à s'interroger pourquoi il fascinait à ce point. Ce qui amène déjà à s'interroger sur les arts premiers. Art premier plutôt que primitif, parce que primitif, ouais, c'est plus politiquement correct. Et de fait, on est passé de musée des arts premiers, musée des arts et civilisations premières à MQB, bon, un nom qui fait figure d'adresse. Bon, c'est sûr, c'est moins polémique jusqu'au jour où immanquablement, bah, ça deviendra le musée Jacques Chirac. C'est vrai qu'on a le centre Pompidou, mais le musée d'Orsay n'est pas devenu le musée Giscard. Je te le concède. Mais reprenons. Je me rends donc à ce musée. Primo, je ne comprends pas le choix architectural. Cette espèce d'immense galerie, c'est vrai, ça évoque tout sauf un musée. Je n'avais jamais vu de musée en pente. Eh ben, c'est fait. Tu es toujours en train de monter. Tu vois des choses sublimes, des masques, des totems, des parures. Mais tout reste mystérieux puisque tu ne fais que passer. Et il n'y a quasiment rien de prévu pour s'asseoir et contempler à sa guise un univers qui t'échappe. Dans ces conditions, c'est très difficile, voire impossible, de rattacher ces objets aux peuples qui les ont créés, de connaître leur raison d'être, de saisir leur dimension symbolique. Bien sûr, le visiteur dispose d'écrans informatiques, mais tu vas pas au musée pour taper sur un clavier. Mais pourquoi tu attends une tonne d'explications, alors que d'habitude tu es plutôt adepte d'une approche minimaliste ? J'ai beau ne pas être super catho, loin s'en faut, si tu me mets devant la Pietà, c'est évident que mon fonds d'éducation judéo-chrétienne va m'aider à saisir l'essentiel. Bon, c'est là toute la différence. Devant César dit premier, ma mémoire est une page blanche, mis à part quelques références glanées au fil de mes lectures. Mais effectivement, je pense qu'un certain nombre de visiteurs doivent partager ton sentiment. Il ne s'agit pas de faire de l'élitisme et de tabler sur les quelques rares connaisseurs. Toutefois, il faut aussi apprécier le chemin parcouru. Ces pièces uniques ont enfin quitté leur vitrine poussiéreuse où elles étaient entassées dans des réserves inaccessibles au public. Le plus bel exemple, tiens, c'est celui des masques Dogon au musée de l'Homme, présentés comme provenant du Soudan français, alors qu'ils venaient du Mali et que ce pays existe depuis longtemps. À mon avis, Griol devait se retourner dans sa tombe. C'est plus qu'un coup de balai qu'il fallait. Le musée était la proie de conflits personnels, chacun voulant sa part de reconnaissance et de gloire. On avait perdu de vue la valeur intrinsèque de ces objets dans leur dimension symbolique. Tu as raison de le souligner, ils l'ont bel et bien perdu. Personne ne conteste le bien fondé du projet, et pourtant, bah moi je suis super déçu. À la fin de la visite, j'ai atteint la sortie avec un énorme sentiment de frustration. Je pense d'ailleurs ne pas être le seul à avoir ressenti ça. Je suis ressorti vide, plus vite qu'en entrant d'une certaine manière. C'est pas un film de Jean Rouch et d'autres documentaires qui m'ont sauvé de ce sentiment de noyade. Tu cites Jean Rouch, or... Il était contre le projet justement. Il prenait un musée qui utiliserait l'image et non les objets sacrés pour faire revivre le passé. Dès qu'on s'est mis à parler de ce lieu pas encore baptisé MQB, car sortant à peine des rêves émerveillés de quelques-uns, il s'est opposé farouchement au projet. Pour lui, la seule issue était l'image, rien que l'image. Il faut reconnaître que Branly nous transmet quelques belles émotions au détour de certaines projections ou d'arrêts musicaux auprès de ce que j'appellerais des boîtes à musique. C'est génial. Mais ce qui vient tout gâcher, c'est le soupçon qui plane sur les critères de sélection utilisés. On peut s'interroger sur les conditions d'acquisition de ces objets. Alors là, on ouvre la boîte de Pandore. Tous les musées se voient un jour accusés d'avoir acquis plus ou moins légalement certaines pièces, et parmi eux, pas les moindres. La France ne fait pas exception. Non, effectivement, c'est pas ce que je reprocherais au MQB.
J'en reviens décidément au parti pris muséographique. À mes yeux, il y a une absence totale de démarche pédagogique et on a privilégié le côté galerie d'art. Le visiteur déambule sans comprendre, sans être guidé, sans être initié même. Il est cantonné dans le rôle d'un explorateur qui n'y connaîtrait rien, mais admirerait béatement tout ce qu'il voit avec ce petit côté. Oh, ils étaient capables de faire ça. Et c'est là que je ressens un certain malaise, parce que ce musée ne contribue pas à placer les cultures du monde sur un pied d'égalité. C'est une question de positionnement. Si tu es clair avec l'axe muséographique adopté, il n'y a rien à redire. Mais justement, c'est pas le cas. En plus, on a affaire ici à une commande d'État. Il fallait à tout prix que l'inauguration se fasse avant l'échéance des élections. Moralité, tout s'est fait dans la précipitation et on a un sentiment d'inachevé. Et c'est là le problème, parce qu'il y a une vraie responsabilité à assumer. On propose au public, pour des générations, une vision du monde, de l'art, une vision des hommes à travers leur culture. D'accord, mais rien n'est définitif. Il évoluera, ce musée. Peut-être, mais je trouve quand même que ça aurait mérité davantage de réflexion. Il est destiné au public, et je pense en particulier au jeune public. Eh bien, pour moi, le message ne passe pas. Non mais le gros problème avec ce musée, c'est qu'il se place sur un créneau fragile, devant allier à la fois l'art et le savoir. Exactement, sur ça au moins, finalement, on tombe d'accord. Hein. C'est pas une réussite.